Alors le thème général, c'est celui de la reconquête par la nature. L'idée, c'est de faire un pas de côté artistique, de ne pas forcément avoir une démarche très moralisante vis-à-vis de l'activité humaine, mais quand même de témoigner, de rappeler que l'humanité est capable de créer un certain nombre de sites, qu'il s'agisse de mines ou de carrières pour les souterrains, d'usines à charbon par exemple, qui sont créées pour une ou deux générations et puis ensuite délaissées, par exemple avec l'avènement de la société tout pétrole. Et évidemment, de questionner aussi une perspective future par rapport aux conditions d'occupation actuelles de la planète et la finitude des ressources naturelles. Alors l'idée de cette exposition, c'est d'ouvrir ce fameux volume résiduel et d'y proposer une exposition d'art contemporain, d'art numérique avec différentes pratiques. Donc on a de la peinture, on a des installations numériques, des installations d'art cinétique, de la sculpture. Et toutes ces installations prennent place dans ce volume, le magnifient et jouent aussi sur son architecture et sur son aspect un peu souterrain et secret. Et donc au fur et à mesure où on déambule dans Cathédrale, on découvre ces différentes œuvres d'art. Donc ça nous permet à la fois d'avoir un parcours artistique et en même temps de découvrir le volume. Donc c'est une double découverte en fait de ces espaces.